Yo, c'est Poké et aujourd'hui je suis en mode Hawaii. Aujourd'hui il va falloir qu'on fasse une base de 0,5 blocs. Oui, vous avez bien entendu, c'est carrément une base d'un demi-bloc. Donc on fait du challenge très compliqué qui nous attend moi et Lined. Pour encadrer tout ça, j'ai mis une seule règle, à savoir pouvoir se déplacer en faisant le crawl dans toute la base. C'est ça que j'appelle le crawl. Donc écoutez, si vous êtes chaud pour voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on dépasse les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Bon les petits gars, aujourd'hui j'ai sorti la tenue d'été. C'est parce que les choses sérieuses, elles commencent aujourd'hui. Je vous dis, on va faire une base de fou, mais surtout une base minuscule. Bon, déjà, on pète les murs jaunes parce qu'on en a rien à foutre. Voilà, ça c'est juste pour délimiter la zone de chantier. Et là, je vais un petit peu établir où je dois faire tout ça. Et comme je vous l'aurais dit dans l'intro, il n'y a qu'une seule règle en soi, c'est juste qu'on puisse se déplacer dans toute la base en faisant le crawl. Mais en soi, à part ça, la base, on peut la faire absolument comme on veut. Ça veut dire, si je veux, je peux faire des grands dômes, etc. Tant que je peux me déplacer en faisant le crawl. Bon, déjà, la première chose que j'aimerais bien faire, moi, c'est une petite entrée un petit peu sympathique. Vous savez, un petit peu les entrées des grands dans les jeux vidéo, etc. Bah voilà, moi c'est une entrée comme ça que j'ai envie de faire et on va la compliquer un petit peu. En gros, il va y avoir qu'un passage sur toute l'entrée, on va pouvoir passer en nageant. Par exemple, imaginons que je mets l'entrée juste ici, bah hop, là par exemple, là je suis à 0,5 blocs. Du coup, après, il faut que je continue un petit peu mon entrée comme ça. Boum, boum, on rajoute des blocs un petit peu au hasard. Et voilà, maintenant qu'on a notre petite entrée, on va pouvoir s'attaquer au reste de la base. En gros, un petit peu le plus intéressant, surtout au vu des idées que j'ai actuellement. Par exemple, je viens de voir dans le chat que Lined s'est donné un structure void. Attends, on va quand même un peu aller l'observer, ce serait pas une vidéo de Poké Draco si jamais on trichait pas un petit peu. Ok, on va rentrer discrètement. On est juste au-dessus de lui. Oh, il est en train de mettre de l'eau. C'est malin. Ça va être compliqué de rentrer en fait. Parce que si jamais je suis en 0,5 blocs de haut. Oh, attendez. Oh, eh, ça m'a l'air stylé. Ok, je pense pas qu'il m'ait vu. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal ce qu'il fait. Et par contre, ça m'explique toujours pas pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de structure void. Eh bien, salut les petits coquelicots. Bon, déjà, je pense qu'on va pouvoir commencer une maison en plusieurs thèmes. Le premier thème, on va bien évidemment se munir de plein de quartz. Déjà, je comprends pas pourquoi j'ai été mis dans un cube. Déjà, les amis, nous allons faire ce qui s'appelle un sol. Est-ce qu'il y a World Edit? Le petit test du jour. Boum. Bien évidemment qu'il y a World Edit. Bon là ça va être simple. On va World Edit ceci. On va aller très très loin. Et merde. On fait marche arrière. On va dans l'autre sens. Et merde. On va dire que la maison va s'arrêter ici. Et là on cut. Et boum. Et voilà. Et là les amis, on a le début de la base. Et ça c'est génial. Oh mais ça va être tellement être compliqué à construire. Bon bah on va déjà faire un sol. Voilà, là j'ai un peu tout fait niveau des murs. Ah bah non. Voilà, là on est pas mal. Oh les mecs, je sais quoi faire. On va prendre du verre. On va prendre de la water. Et sur les côtés, téma-moi ça. On va y faire des aquariums. Et je pense que je vais même faire qu'on puisse nager avec les poissons. Parce que moi j'ai toujours rêvé d'être un poisson. Mais le seul truc qu'on m'a dit, c'est que j'avais le cerveau d'un poisson. C'est pas facile de build comme ça, hein. Je suis un peu perturbé, hein. J'espère que vous l'êtes un petit peu aussi. Enfin non, j'espère pas plutôt. Les gars, je viens à l'instant de trouver ça. Je sais pas si jamais c'est Lined qui a caché ça en invisible ou quoi. Ça me paraît un petit peu bizarre. On va quand même tout cramer au cas où ce soit lui qui ait posé ça là, voilà. Bon, ensuite, parmi les pièces les plus importantes dans une maison, il y a les pièces familiales, les salons, mais il y a surtout la cuisine. Et pour ça, j'ai quelques mods qui devraient pas mal nous aider à la rendre bien bien stylée. Regardez-moi ça. Si jamais je décoche tout ça. Voilà, là on a que des trucs pour la cuisine. Et déjà on va prendre un petit frigidaire. En fait il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire. Ce serait nous faire passer sous la cuisine. En gros vous voyez, on va faire un espèce de comptoir un petit peu comme ça. Sauf que vous le savez peut-être, mais généralement sur Minecraft, pour représenter un petit peu les comptoirs de cuisine, on utilise des trapdoors. Du coup comme ça c'est parfait. On est toujours à 0,5 blocs de haut du sol. Voilà, on remplit un petit peu la cuisine. Maintenant il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est essayer de descendre d'un étage. Oui, ok, ça marche. En gros je pose une première trapdoor jusque là, donc voilà, ça c'est la sortie de l'entrée et tout. Et ensuite, hop, j'ai une deuxième trappe d'or qui me permet directement de descendre. Et logiquement, même que si j'enchaîne les trappes d'or, en fait, je peux faire un escalier. Je vous avoue que j'ai assez peur de ce que ça va rendre, mais écoutez, il faut bien tester. Oh, bah ça marche bien. Allez, la suite. Voilà, et là, on va prendre une technique incroyable qui s'appelle se donner des structures blocs, des structures void. Je suis pas encore au point sur tout ça, moi. Et là, les mecs, on va mettre plein d'eau. Voilà, plein d'eau derrière là-bas, là. Comme ceci. Voilà, et maintenant qu'on a fait ça, j'ai simplement à mettre des blocs comme ceci. Et là, on aura un aquarium 100% fonctionnel. Et voilà, et là on pourrait y mettre des poissons incroyables. Regarde-moi tous les poissons que je suis en train de te mettre là. Mais oh, faites quoi là? Oh, ils se foutent de moi. Hein. Oh, il y a carrément des clés à molettes. Oh, là, je suis en train de leur péter le cerveau. Allez hop là, ça dégage les morues. Comme dirait ce bon vieux Mirolam. Mais ils se foutent de moi, non mais ils sont suicidaires. Arrêtez. Oh, des algues, on va mettre des algues. Oh, magnifique, c'est sublime. Oh, je sais quoi faire. Je vais mettre des algues comme ça. Peut-être que les poissons ne pourront pas passer. Je vais rien dire. Voilà, on a fait l'aquarium, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les côtés? Il faut qu'on fasse la chambre à coucher. Mais le problème de la chambre à coucher, c'est qu'on va faire un test. Si je dors ici. Ah bah le lit est obstrué, c'est pas cool. Bon, c'est pas grave. Voilà les mecs, on va dire que là-bas, c'est la chambre. Et on va mettre une trappe en or. Ah voilà, on va dire que c'est là-bas, l'espèce de baraque. Hein. Bon, c'est vraiment complexe, mais bon. On va dire que c'est comme si on était dans l'espace. Donc voilà, donc là, on va y mettre un lit comme ça. Et là, je pense qu'on va devoir. Mais il est vraiment idiot celui-là. Hein. On va devoir faire ça. Hein. Je pense que le lit ne va pas marcher, mais c'est pas grave. Hein. On est là pour le spectacle. Hein. On est là pour l'entertainment. Bon, là, actuellement, on a l'aquarium ainsi que ce bon vieux lit pour dormir. Bon, on va déjà mettre des tables de craft et tout, parce que malheureusement, là, c'est pas très très habitable. Oh, des fours de ouf, là. Oh, des fours protégés carrément tout de même. En plus, c'est blanc. J'adore quand c'est blanc. Oh, y a un code, par contre, ça, c'est chiant. Hein. Si vous avez besoin de faire cuire votre pizza et vous devez
voulez rentrer le code, bonne chance les loulous. Hein. Pour la suite, on va partir sur un petit aquarium en guise de couloir, parce que mine de rien, dans la maison, il faut quand même des couloirs, voilà. Il faut que ce soit un petit peu spacieux, un petit peu agréable tout ça. Donc boum, on prend Robert le Tropical Fish, on en spamme quelques-uns, on fait pareil de l'autre côté. Non, 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 vous échappez pas les gars. Pop, 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 pop. Il y a Nemo qui essaie de s'enfuir, là ça va pas du tout. Ensuite, on parfait l'aquarium, du sable des deux côtés. Ce poisson, on dirait pas Mirolam. Franchement, je vous jure que ça lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. Bon, du coup, voilà un petit peu ce que ça donne pour le couloir. Et évidemment, vous l'aurez pas oublié, il faut quand même qu'on reste à 0,5 blocs de haut. Il y a qu'une seule règle, il faut quand même qu'on la respecte. Par contre, actuellement, il y a la moitié du temps qui est passé, donc il faut vraiment qu'on se bouge. Donc, attends, on va faire des salles importantes de Minecraft et vous allez voir, on va faire tout en un. Ici, on est vraiment dans l'efficacité. Donc, on va prendre une table. Dans le champ. Attendez, what the fuck? Attendez, mais il y a du sable du Sahara qui est arrivé jusque dans ma maison souterraine, là. Pourquoi est-ce que c'est tout jaune d'un coup? Ensuite, là, on fait la petite salle des fours. Et ici, on est vraiment dans la variété, donc on va même mettre des fours à mot de passe. Voilà. Comme ça, il n'y a que moi qui pourrais y accéder. Et le code, ça va être ma date d'anniversaire, le 19 novembre. Voilà, bien sécurité, évidemment. Et dans le four, on va préparer du poisson. Voilà. Maintenant que ça s'est fait, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il te faut un passage pour passer à 0,5 blocs de haut? Donc, est-ce qu'on peut varier avec des slabs comme ça? Pas. Ok, non. Malheureusement, comme ça, ça marche pas. Écoutez, c'est pas grave, on va rester classe avec du petit quartz. Voilà, faut pas qu'on passe au-dessus de la table d'enchant, faut quand même qu'elle soit utilisable. On va faire comme dans les musées et on va mettre du verre un petit peu partout. Voilà. Eh, j'aime bien, vraiment, j'ai l'impression d'être dans une reconstitution d'une base, carrément. On est vraiment à l'intérieur d'un musée, j'aime beaucoup. Mais vous savez ce que j'aime encore plus? Attendez, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Lined, là? Oh! Oh là, oh là, oh là, pop, 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 pop! Bon là je pense qu'on va partir sur deux comme ça. Voilà, là j'aime bien. Et là on va changer de thème. On va faire le thème un peu nether. J'aime beaucoup le rouge. Je pense que vous l'avez remarqué. À part les daltoniens, mais je suis pas rouge. Qu'est-ce que je dis là? Bah vous savez quoi, c'est parfait. J'y ai même pas pensé, mais c'est incroyable. Vu qu'on va faire cuire des choses ici, bah c'est le nether. Et vous savez quoi, on va mettre plein de fours sur le sol. Voilà, ici c'est pour cuire. Ah mince, faut mettre des codes pour faire cuire les trucs, bordel. 1, 2, 3, 4, on est vraiment pas méchants nous. Ah, voilà, là on a plein de fours et voilà, c'est pas mal. Ah vous savez quoi, on va faire pareil pour l'étape de craft. Hein. Et pour l'étape de craft, j'ai une petite idée. Je vais alterner les blocs pour bien évidemment faire quelque chose de plutôt stylé. Enfin ça c'est ce que j'espère faire après tout. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Et là, on y met des tables de craft. Bon, je sais pas quoi faire d'autre, moi. Hein. Je vais faire l'endroit botanique. Donc, en gros, c'est pour les fleurs. Donc, on va le faire sur trois blocs. Il y aura toutes les fleurs de Minecraft. Je sais pas si vous aimez les fleurs, mais moi, j'aime pas ça. J'ai rien contre elles personnellement, mais je m'en fous, quoi. Et je vais le faire avec des blocs plutôt spéciales. Voilà, comme ça, on se croirait dans Toy Story. Et là, on va mettre de la terre. Et voilà. Et là, on prend plein de fleurs. Voilà. Et là, on pose les fleurs. Magnifique. Bon, ça, c'est pas trop une fleur, mais c'est pas grave. Et ici, on va mettre des blocs comme ceci, là. Ces blocs-là, je les adore, je les adhère, je les valide. Dites, les gars, on se barre. On va dire qu'il n'a rien vu, hein. Vraiment, il n'a rien vu. Voilà, on va faire genre qu'il me voit pas. Je fais mon aquarium. Bon, je pense être très clairement cramé, hein. Bon, du coup, maintenant, on a des petits fours. Juste là, on a une cuisine. Mais il faut bien que la bouffe provienne de quelque part. Et non, je vais pas tuer ces pauvres petits poissons qui ont rien demandé. Je suis pas aussi cruel que ça, quand même. Donc, pour ça, il nous faut notre petite source de bouffe. Hop, hop, hop. On va poser un petit peu de terre partout. Et là, on va mettre de l'eau. Et vous voyez peut-être un petit peu où je veux en venir. Regardez-moi ça. En fait, étant donné que quand on nage sous l'eau, on est à 0,5 blocs d'eau, et bah, c'est parfait. Et voilà le travail. Regardez-moi ça. Hop, je peux les casser. Et je récupère les carottes directement dans mon inventaire. Ok, là, il me reste à peu près 5 minutes, tout au plus, je dirais. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment impressionnant. Un truc qui ressort de fou. Tout simplement, un genre de dôme, en fait. Et comme vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, nous, de toute façon, on va pouvoir passer à 0,5 blocs de haut du sol. J'ai envie d'utiliser des barrières blocs pour que ce soit carrément invisible. Bon, non, en vrai, vous savez quoi, pour que Lined évite d'être relou, parce que bon, on le connaît, hein, il aime bien retirer facilement des points. On va mettre du verre juste ici. On met de l'herbe. Oh, eh, j'aime bien. On dirait un mini stade de foot. Franchement, il manquerait plus que boum des petits gradins pour regarder Ribéry mettre ses meilleurs buts. Enfin, peut-être plutôt Mbappé, mais bref, c'est pas le débat. Voilà, juste on fait des petites tribunes. Bon, il manque quoi là? Je sais absolument pas ce qui me manque. Bah, mais évidemment que oui, je viens d'y penser à l'instant, mais on va faire une bibliothèque. En plus, moi j'adore lire, donc ça tombe à pic. On va faire une bibliothèque bien fournie. Check-moi la bibliothèque. Alors là, c'est de la balle. Hein. Et vu qu'ici on lit, on met des blocs d'or parce qu'on est quand même cultivé. On est franchement incroyable. Oh, je sais quoi faire. On va faire une zone avec tous les outils de Top Chef. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais j'ai cette idée. Ah ouais, quand on regarde de l'extérieur, c'est plutôt spécial. Bah, vous savez quoi, on va prendre plein de pierres différentes. Et voilà, ici, on va afficher, bien évidemment, nos couteaux et tout. Et comme ça, pas de jaloux. Boum! Comme ça, ils peuvent prendre, on va dire, des épées pour se faire à manger. Oh là là, on va faire l'abattoir. Bon, ne faites pas ça chez vous, hein. Oh, je sais quoi faire. Magnifique. Check-moi ce que je fais là. Boum!
Bon voilà les mecs, j'ai un petit problème, j'ai dû faire on va dire un petit truc comme ça. Et regardez-moi, j'y ai mis plein de petits moutons. Bon c'est pas des moutons, c'est des cochons. J'ai mis un système d'eau incroyable. Comme ça vous allez ici, vous prenez on va dire votre meilleur coupe cochon. Et là vous mangez. Et après bien évidemment vous allez la faire cuire ici. Voilà maintenant les mecs, j'ai simplement à reboucher et c'est terminé. Voilà, logiquement là on peut y vivre. On va quand même faire une trappe stylée. Parce que attendez, si je fais ça et ça boum. Voilà, magnifique. On peut y vivre. Et on peut même aller faire une petite baignade. Bon bah voilà, moi j'ai terminé. Et là on va essayer de faire un genre de dôme. J'ai vraiment peur de ce que ça va donner. Et au pire, moi je suis pas valente. Regardez, on va faire la technique de Schlag qui consiste à juste se rapprocher du centre à chaque fois. On fait le contour de plus en plus fin. Et voilà. Oh là là, magnifique. Franchement, je vous le dis, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. On va faire une petite aire un petit peu végétale. Voilà. Vous savez quoi, on va même y laisser vivre des petits animaux. Parce qu'avant tout, ici, on pense à la nature. Et surtout à la bouffe. Parce que je vous rappelle que dans cette maison, il y a quand même des cuisines. Et voilà. Bon, les gars, si jamais vous avez bien remarqué tout au long de la vidéo, en fait, on n'est pas réellement à 0,5 blocs de haut du sol, simplement à un bloc. Donc, c'est pour ça qu'avec la NED, on va appeler des hackers pro et ils vont régler tout ça. Ok, bah c'est parfait. Ils ont terminé de mettre la base à niveau de 0,5 blocs partout. Et le temps qu'ils fassent ça, le temps c'est tout pile terminé. Les 30 minutes sont écoulées. Donc, on va aller le dire à Lined. Lined, le temps est terminé. Viens, on va voir ta base. Ça te va ? On va voir ta base. Oui, bon, ça va, t'as compris ce que je voulais dire. Oh, mais attends, mais c'est stylé. Bah, évidemment, c'est comme l'entrée du puits du fou. Mais vraiment, celle-là, c'est pas 0,5 blocs de haut. Hein. Attention, tu vas être noté là-dessus. Hein. Oh. Je m'en fous, oh. Ok, ok. Qu'est-ce que tu fais là ? Je peux pas passer là. Voilà. Bon, déjà, j'ai dû corriger un petit peu le début. Hein. T'as esquivé l'endroit botanique. Eh non, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah oui, c'est vrai que je peux rentrer dedans. Bah oui, check-moi toutes les fleurs là. Ok. Là, c'est pour prendre des douches. À ce pas, il serait pas très heureux là. Ah, si, c'est pour prendre des douches ? Bah non, à gauche là, où il y a de l'eau. Attends, mais tu la vois où ton eau ? Tu te fous de ma gueule. Oh, mais j'avais pas compris qu'on pouvait passer. Mais c'est incroyable. Là, c'est vraiment pas mal ce que tu proposes. Donc là, on a des petites bibliothèques pour lire. Bon, ça, c'est pas trop pour toi. Bah si. Ok. Là, je prends une petite épée. Ouais, voilà. Okay. Et là, t'as du halouf. Et c'est un générateur automatique. Il y en a à l'infini. C'est vrai ? Bah oui. Oh, oh bah, j'en tue quelques-uns. Merci beaucoup. Attends, tu me bloques. Attends, mais est-ce que je peux le faire cuire au moins ton cochon ou pas ? Parce que là, s'il y a pas de cuisine. Il y en a, mais il y a pas de. Ouais. Ah si, si. Là, t'as des fours. 1, 2, 3, 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ok. Et là, il y a le lit là-bas, là. Où ça ? À toi. Ça ? Oh. Oh, par contre, c'est vraiment malin. Ah, vraiment, c'est très très malin. Ok, bah tu sais quoi ? Pour une fois, je donnerai ma note à la fin parce que sinon, je sais que tu vas me noter aussi en fonction de ça. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je te propose de me suivre pour aller voir ma base. Du coup, tu commences juste ici. Donc, voilà. Donc là, tu vois, t'as la petite entrée un petit peu en mode caverne. Bon, ça ferait plaisir à se passer en mode homme des cavernes. Et ensuite, regarde-moi ça. Là, t'as un escalier carrément. Ah, je suis plus sur 0,5 blocs là. C'est de la triche. Ah non, il faut juste bien faire la manip. Hein. Juste ici, comme tu peux le voir, t'as l'aquarium de Dubaï. On l'a emporté jusqu'ici avec Nemo et tout. Juste là, t'as les petites cuisines. Donc, et comment on enchante ? Non, alors non, monsieur, ça c'est de l'exposition. Là, t'as un musée à l'intérieur de ta base, en fait. Pas mal, c'est comme le musée Grévin. Exactement. Ensuite, hop. Ah, je vous ai vu, hein. Bon, c'est réel. Oh, t'es passé directement. Là, ensuite, il y a des petites plantations. Hop, là, regardez-moi ça, on peut récupérer les carottes depuis là. Oui. Comme ça, au moins, t'es sûr de pas mourir de faim. Et ensuite, la touche finale, regarde-moi le dôme. Des petits moutons, des petits animaux, etc. Voilà, voilà. Non, franchement, c'est cool. Bah, merci. Vas-y, c'est quoi, pour une fois, c'est toi qui donne ta note en premier. Sois honnête, hein. Sois honnête. Parce que moi, je compte bien te noter. 8,25. Oh, je crois que c'est la meilleure note que tu m'aies donnée pour l'instant de tous les big battles. Hein. Bah, franchement, moi j'avoue, j'ai beaucoup aimé ta base aussi. Elle est très innovante, mais c'est vrai que le design. Quoi ? Moi, tout est sur un bloc. Mais moi aussi. Ah bah non, regarde, j'ai l'air d'être sur un bloc là. La réponse est non. En fait, il y a des blocs qui sont pas très beaux, mais c'est quand même très ingénieux. Je mettrais 6,75. Donc, je gagne de 1,5 points d'écart. Franchement, les gars, je suis trop contente pour une fois que j'ai gagné. Si jamais vous pensez que je deviais pas gagner, bah dites les vraies notes en commentaire. Mais moi, vraiment, je suis trop fière. Franchement, je vais accrocher cette victoire dans la chambre et vous devriez enclencher ce bouton abonnement.